Yo tout le monde, donc épisode 1, enfin oui c'est ça, épisode 1 sur le jeu Too Dark, on retrouve Smith dans son appartement, on va du coup attaquer le premier niveau à l'Amusement Park. Donc c'est un let's play que je fais sur le jeu Too Dark, je vous renvoie à la première vidéo découverte 0, pour voir le début du jeu. Là c'est ma session, je continue, hein, je viens tout juste de jouer la vidéo 0 si vous voulez. Là je continue de jouer tout simplement, c'est une session de jeu que je fais. Et puis voilà. Kids going missing in Gloomy Ditch. Yeah. Ça, j'en verrai plus du jeu parce que ça m'intrigue. So what are you doing here, Smith? Smith? What brings you to un Smith. Un agent Smith. Vous êtes tous les mêmes pour moi. Well, anyway, you needed a bit of fresh air. I'm not sure taking this gun with me is a good idea, though. I promised to help. Je me sers de mon flingue pour tuer des rats, alors tu sais. Ok. Oula. Oula. 4 mars 1976, 100 Gloomywood Avenue. Ok. On va s'équiper plutôt de son briquet. Madre Santa, suis-moi petite, dépêche-toi. Oula. Contact. Pour qu'un enfant suive Smith, il faut au choix se déplacer jusqu'à l'enfant entrer en contact avec lui. Rencontrer en contact, on dirait un genre, un truc extraterrestre. T'sais. Bonbon. S'équiper d'un bonbon, viser l'enfant, lancer le bonbon. Genre vous balancez à la gueule, vous l'étourdissez, enfin vous le mettez KO et vous le prenez. Appel, suivez-moi, appuyez sur X plusieurs fois. Plusieurs pressions rapides lancent un appel de plus en plus fort, d'accord. Mais bruit égale danger. Ok. Come on. Alors, du coup c'était un kidnappeur là, la personne. Ah. Ok. Du coup je sais pas si on a une barre de vie aussi. Parce que là il y a des araignées qui sont tapées dans mes orteils. Lol. Ok, Candy Shop, ça me fait des bons becs. Ça me fait des pills. Ok. Oula. Ouais, c'est assez flippant ça, le clown. Hein. Oula. Oula. Enfin, pour ceux qui sont. Comment on appelle la peur des clowns? Ok, c'est là apparemment qu'il fallait aller, mais je voulais voir un petit peu les autres endroits. Je sais pas comment ça s'appelle la peur des clowns. C'est un nom assez bizarre. Moi ça va, mais je dois avouer que c'est assez flippant. Enfin, je peux comprendre ceux qui flippent. C'est quoi que j'ai récupéré là? Un bâton. D'accord. Oh! C'est une batte de baseball, wesh! Oula, putain, ça c'est flippant. Le cirque de Petronelli, le plus grand cirque du monde. L'affiche d'un ancien spectacle de cirque qui se produisait au Gloomy Ditch Amusement Park. Mais ça, c'est pas une affiche qui fait rire les enfants, ça! Vous n'avez pas la clé qui ouvre cette porte. Il me faut un pied de biche. D'accord. Bon, bah en fait, il n'y avait rien vraiment d'intéressant. Si c'était, il y avait le bâton. Le bâton. Je vous avais dit de prendre son bâton. Ah, le fantôme, là. Tech. Ok. Oula, attention. Alors là, on est en terrain inconnu. Infiltration. C'est ça qui m'intéresse. Inventaire rouge, Smith est visible. Oh, intéressant. Inventaire bleu, Smith est invisible dans le noir. Mode discret, déplacement plus LT, Smith marche sans bruit. Ok, d'accord, je peux avec le stick soit faire des petites pressions pour qu'il marche au point des pieds, soit faire avec LT et pousser le stick à fond, ça revient même. Donc rouge, je suis visible. Et bleu, enfin voilà, oh, ok. Oh, sympa, et du coup on voit nos pas. On sait pas trop où on va. Mais ouais, du coup je vois plus rien moi. Oh, le rat quoi. Smith, pourfendeur de rats. Oula. Ok, là j'aime beaucoup là ce côté un petit peu infiltration horreur là. Enfin. On voit rien du tout quoi. Il semble que l'électricité soit coupée, rien ne marche. Oula. Après j'ai une torche mais non j'ai pas une torche, merde, bah mon inventaire alors. Ah ou fuck, ah si je l'ai là. Je vais juste l'équiper moi. Ok, alors on voit tout de suite déjà mieux. Oula. Putain c'est fou. Oh putain j'ai eu peur. Merde, y'a un gouffre, le con. On va commencer le niveau. Merde. Mais non, je veux. Y'a pas un checkpoint ni rien?
Putain, ça me fait peur. Bon bah, recommencer le niveau en fait. Fuck. Ok. Putain, j'avais pas vu ça. Un ticket. Oula, l'asile du clown. Putain, mais ça fait super flipper ça. Oh. Ok, bon. Ah. Ok, en fait, je peux marcher sur les araignées, ça. Ça revient même. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un trou, lol. Bam. Tac. Là, il y a un bon bec. Ok, c'est pas grave. Putain, j'entendais vraiment pas à mourir, quoi. Heureusement que j'avais ma lampe torche, mais en fait, ça n'a pas suffi. Ok. Maintenant, je sais qu'il y a un trou. Un autre bon bec. Ok, par ici, il n'y a rien. Ok. Je vais prendre le briquet quand même, parce que j'ai un peu peur. J'ai mon flingue ou pas? Ouais, je l'ai. Là-bas, il y a un rat. Qui veut nous bouffer les orteils. Un autre aussi qui arrive. Oh! C'est quoi ça? C'est un gouffre ça, attendez. Ouais, j'ai l'impression. Oh là, mais c'est flippant en fait. C'est quoi ça? Oula, putain, je croyais que c'était quelqu'un. Ah, mais c'est un cadavre en fait. Oh my lord. Mais où est-ce que je suis tombé en fait? On débarque comme as. Ouah, attendez, c'est quelqu'un ça? Je sais pas si je fais des dégâts. Je peux retirer dessus. Je vais juste essayer. Ok, ça a juste fait masse de bruit. Ah! Empalé. What the fuck? Il n'y a pas de checkpoint. Ah, mais il faudrait que je sauvegarde en fait. Ah, je suis con. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je veux rentrer chez moi. Ah, mais on peut rentrer par là aussi. Putain, c'est flippant. J'ai envie de la buter, elle. Oh, putain. J'ai trouvé un indice, j'ai trouvé un pendentif doré. Ok. C'est moi, il y a un enfant là-dedans. Oh, putain, c'est flippant. Une interaction à main nue est indiquée par un clignement vert, d'accord. Déplacer un cadavre, pousser ou tirer une caisse, actionner un levier, se saisir d'un enfant. Appuyez sur un pour effectuer une action à main nue. Oh putain, lol. Loul. Allez bouffer les araignées, là. Attendez, je vais juste reprendre le bâton. Pourquoi tu cries, là? Je veux juste sortir, là. Hey, oh. Elle est où, la porte? Ok, d'accord, c'était bugué. Ok, je prends le bâton. Les bambans. Je vais le balancer à la gueule de la gamine. Mais c'est quoi, c'est un réseau de kidnappeurs? C'est quoi le délire? Bon, déjà, il y a ça, là. Coucou. Pff. Smith doit accompagner les enfants jusqu'à la sortie. Way out. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. En groupe ou séparément. Les enfants suivent exactement la trace de Smith. Smith. Arrête, silence, ok. Manière forte, Smith peut s'emparer d'un enfant pour l'amener de force où il veut. Les enfants sont saufs lorsqu'ils aiment. D'accord. Ok, là je l'ai de force. Là. Ah, tu viens avec moi, bordel de merde. Tiens, dans la way. Il y a d'autres enfants à sauver, monsieur, il faut que tu y retournes. Bravo, vous avez sauvé un enfant. Ah, mais barre-toi là. Eh, hey, monsieur, il y a d'autres enfants, wesh. D'accord, bon, on va explorer un petit peu. Bah oui, mais du coup, lui, je ferai comment, là? Ça, c'est tellement creepy. Un bonbon, parfait. Une bougie. Je vous ai raconté la fois où j'allais mettre une bougie. Je vois cramer la baraque. Bon, désolé, l'ami, mais il faudrait que j'ai un pied de biche, c'est ça, ouais. Bah alors, du coup... Je vais prendre mon bâton avec moi. C'est un indice, d'accord.
fasse gaffe de pas me faire empaler cette fois, mais... Enfin, ah oui, peut-être qu'on les détecte, les... Ah ouais. On détecte les trucs, les... Comment dire, les... Comment dire, les obstacles, enfin les trucs qui peuvent nous tuer. Lorsque c'est en rouge, tout à l'heure je me faisais attirer sur les trucs là, sur le clown, même il y avait bah, les pics en fait, sur lequel je me suis empalé, qui étaient en rouge. Et je vais essayer de vous remontrer ça. Et genre ça en fait. Aïe. Regarde ici toi. Foiré de rat. Voilà, ça t'attend, c'est en rouge, il faut que je fasse gaffe de pas trop m'approcher en fait. Ok, d'accord. Sinon, bah, je peux tout simplement crever. Moi, je sais pas s'il y a une barre de vie, j'ai l'impression que non. Mais qu'il y a une sorte de vie quand même, enfin genre si on prend trop de dégâts on peut mourir. Par contre ça me plaît pas trop là de pas voir grand chose, donc je vais reprendre la lampe, voilà. Oh, je vais défoncer la tête. Un bon bec. What? Là c'est un piège en fait, ah ok d'accord. Alors du coup le bonbon si je l'équipe. Hop. Ok. Salut. Ok, j'ai trouvé un bonbon, parfait. Je reprends le bâton. Ouais, ça je savais déjà que l'électricité était coupée. Bon, faut quand même que je fasse gaffe où je mette les pieds. Voilà, ça là. C'est assez flippant, hein. Oula. Un magazine spécialisé, il y en a d'autres. Magazine spécialisé. Électricité. Numéro spécial par exemple. Je m'en grillerai bien une petite. Ah oui, merci de le dire, l'ami. Pour sauvegarder. Ok. Sinon, je vais me faire empaler et puis je vais le regretter. Putain! Il y a un quemé qui arrive. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Ah, c'est dur de vieillir parfois, lol. Tiens, je vais le défoncer lui. Les adversaires détectent Smith grâce au son. Ouais, si tu as fait la même possible. Se dissimuler dans l'obscurité, à la vision, à la lumière. Éteins les lampes. Je vais te défoncer la gueule! Petronali en fait. Oh! Ouh! Putain, j'ai morflé aussi, moi. LOL! Mais il manque des bouts de joues, de dos. What the fuck? Ok, je vais traîner son corps. Je me demande si on pouvait pas se cacher, en fait, là-dedans, mais non. C'était chaud, hein. Ok. J'ai la bougie. Ouais, c'est pas forcément plus... c'est clair, pas forcément plus. Alors du coup, on voit un peu plus l'endroit. Je fais gaffe quand même, cependant. Je vais fumer un peu, hein. Enfin, je vais sauvegarder. Mais il me manque des bouts de tête, wesh. Ok, c'est pas mal, il y a une petite flip, j'aime bien. Enfin non, j'aime pas, mais... Ok, d'accord. Et là, c'était où on était tout à l'heure, non? Oh, oh. Coupe de presse. Fermeture de Gloomy Ditch Amazon Park. La porte-parole de la mairie a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive du parc d'attractions de Gloomy Ditch. Depuis des mois, les attractions fermaient les unes après les autres. Seul restait le pitoyable cirque Petronelli, dont le spectacle ridicule n'attirait plus personne. En même temps, vu la gueule des clowns, le conseil municipal a donc pris sa décision et le parc devrait bientôt être rasé. D'accord. Ah non, c'est juste à côté le... où on était tout à l'heure. D'accord, ok. Faut que je fasse gaffe quand même. Oh my gosh. Ça fait flipper, hein. Là-dessus, il y a une ambiance, hein. Faut le reconnaître. Ok, on progresse. Je vais prendre la lampe pour voir de loin. J'ai des piles, là. Ça va. Oula. Oh my lord. Par là, ça nous mène... Ok, ça nous mène par là et ça bouge, ça. Ouais. Ok, d'accord. J'aime bien savoir où je suis. C'est toujours agréable. Oh putain, le clown là-bas.
Il me faut un pied de biche. Ouais, j'avoue, il me faut un pied de biche. Ben, voilà le pied de biche. Ok, alors le pied de biche déjà. Ah! C'est quoi ça? Ok, d'accord, c'est un truc de... Ok, ça me fait une arme aussi. J'ai trouvé la clé du guichet. Ok, bah tant mieux. Oula, il y a un mec là-bas. Putain, il y a deux mecs. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils lui lancent des couteaux, wesh? Je reste caché dans le dark. Oh là 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 là. Je lis un petit peu là. Ah! Il y avait un gouffre. Fuck! Merde. Ah putain, puis je vais vous garder loin là. Fuck. Où est-ce que j'étais? Ok, c'est pas grave. Je vais re-sauvegarder en approchant du... Ok. Putain, le con, j'avais pas vu qu'il y avait un gouffre. Ok, on actionne ça. Tac. On récupère le pied de biche. Ouais, ok, il y a que le pied de biche là que je peux récupérer. Là, faut que je fasse gaffe à toutes ces petites araignées. Après, je crois qu'il y a rien d'utile. Ok, si, il y avait les clés. Vous savez quoi? Je vais aller secourir l'enfant avec le pied de biche, là. Comme ça, ce sera fait. Je sais pas à combien de temps de vidéo je suis. Mais il me manque un bout, lol. Regardez ça! Attendez, on voit pas bien ce qu'il tape, il est rouge, mais... Attends, je peux déséquiper ma bougie. Il me manque des bouts de corps. Ça fait aucun sens. Alors, du coup, on va reprendre la clé du guichet. Mais ça, c'est quoi le guichet? Ah, mais c'est peut-être le garage là-bas, là. Alors, déjà... Ça, là. Cartouche, ça, c'est bon. Les bonbons. C'est bon aussi, les bonbons. Vous n'avez pas la clé. T'es sûr que j'ai pas la clé? C'était pas la bonne clé. Ah. Je peux la frapper au sol? Ouais, en pire, on s'en fout. Je veux mon papa, ils sont tous dans ce cirque. Allez, viens ici, Michael. Tu vas manger ta purée. Comment il le prend, mais par la peau du dos, tu sais. Je vais le dire à mon papa, et mon papa, il va tous vous casser la tête, parce que mon papa, j'ai pas eu le temps de voir la suite. Ok, oui, donc bien sûr, le but du jeu, c'est de... Oula, oh cool, il y avait un passage derrière. Le but du jeu, c'est de retrouver les enfants qui sont kidnappés. Hein. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans le jeu, dans mon intro. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sauvegarder et arrêter l'épisode 1 ici. Attendez, je reprends juste la bougie. Tac, je vais sauvegarder... Non, non, attendez, tac. Voilà, ici. Et du coup, je vais passer l'épisode 2. Que je vais continuer aussi à jouer par ma session, voilà. Parce que je sais pas, peut-être faire 20 minutes à peu près que je joue, j'essaie de séparer ça de manière équitable. Voilà, partie sauvegardée. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode numéro 1 de Too Dark. Ça commence à devenir intéressant. Et j'ai encore envie d'y jouer, voilà. Donc je vous retrouve, bah, je sais pas quand je posterai la vidéo de numéro 2. Mais du coup, je vous dis bah, à très vite. Voilà, salut.